Là, Thomas, là, fais-moi écouter ta belle voix, là, puis dis-moi ton petit briefing de... Bon, bouge pas. Tu vas repartir de zéro. Ah, j'aime ton accent. Tiens, profil name, c'était à tort. Matrice, tu changes rien. Correction, tu touches pas à ça. Les white, tu mets ce que tu veux, parce que dépendant si t'es en dedans ou dehors, puis c'est ton preset seulement qui est mis. Ton détail, tu le mets à moins 4. Ça, ça dépend. Si tu veux être encore moins détaillé, puis tu trouves qu'il y a trop de crisping, puis trop de lignes, puis ça vibre trop, tu le mets moins bas. Plus bas, moins plus. Skin tone, tu y touches pas, mais tu le laisses à off. Après ça, ton nid, il est off, mais il est supposé être on, alors c'est pas très grave. Ciné 3 ou standard 3, t'en as deux. Bing, 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 ou bien standard 3. C'est les deux seuls qui font pas de noise. Tes blacks, ça c'est à ton choix si tu vois que t'es trop black, mais les blacks moins 5, ça donne déjà un beau crisping. Les Black Gamma, moins 2, tu peux, va pas boire plus bas que ça, tu peux aller à moins 3 au pire, puis that's it, that's all. Après ça, on va aller voir, bien ici, dans le menu normal, cancel, puis faut pas faire, merci, menu, tes gains, mets-toi 6 parce que 3, ça sert à rien, 6, c'est 9, correct, hein? 6 et 9, c'est bien parfait. Ton shutter, tu te le mets à 1. Tu shoots en 24? 30. T'es tout le temps été en 30? Tu 30 veux pas être, ouais, tu veux pas être en 24? On m'a tout le temps collé la shot avec des BN en 30. Depuis le début en 30? Ok, parfait. Bon, regarde, laisse-le en 30 pour cette caméra-là. Donc, 1,60, parfait. Multi, zoom speed, ça on s'en fout, on s'en fout. Shock le sweat, 3. Ça, c'est quoi ça? Choc le sweat, c'est où est-ce que quand les blancs ils blastent, tout ça de même, tu veux pas qu'ils soient là. Choc le memory switch, tu le mets à memory, comme ça tu peux faire des whites à des places. Ouais. White conversion, white conversion off. Si t'as pas un wide angle dessus, si t'as des shots on, que t'enlèves si t'as un trépied, mais tu peux le laisser on, mais c'est beaucoup plus beau parce que quand tu vas faire des pannes, quand tu fais des pannes, puis t'as le sweat. Le quoi? Le brrr, bouge pas ici. Steady shot, si tu fais des pannes puis t'es sur un trépied, ça va shaker. Ah non, non, c'est ça. Ça, je sais. Il faut qu'il récupère. Donc, tu le mets à off. Mais là, on le laisse à on parce qu'on est pas parce mal. Parce que tu fais de l'épaule. On va te le laisser à on. Puis t'as une petite différence pareil. Écoute, c'est. Non, non, une différence majeure. Bing. Musique, on s'en fout. Ton input, on va juste voir s'il est bien placé. Ça, tu pourrais te le mettre un petit peu plus haut que ça. Moins 35. Moins 41, c'est bon. Moins 41, on aime ça. Moins 46, parce que c'est un peu intense. C'est beau. 46, parce que j'ai une... Est-ce que tu te sers de ton peaking, toi? Non. Dans ton foyer? Non. Tu n'en sers jamais? C'est très rare. Très rare, OK. Ben, en tout cas, il est red, puis il est mid. Moi, c'est ça que j'utilise d'habitude. Ton zebra, 70, c'est un peu intense. On va te le mettre à... 60, c'est beaucoup mieux. Ici, ça va être un peu intense, 60. On va laisser à 70 d'abord. Puis Zebra 2, on va le mettre à 90. Display on off, ça c'était tes bullshit, merci beaucoup. Ton time code, tu t'en fous? Ouais, c'est toi qui fais le montage, tout, parfait. Et voilà, monsieur, vous avez. Un beau Kodak, un link de Zebra, beau Django. Et voilà. Donc, tu as deux possibilités. Moi, ce que je te conseille pour ce soir, c'est le tété tard. Puis dans le jour, si tu veux continuer dans ta continuité, là, c'est à toi de ce que tu as de celui ici. Puis le soir, moi, je te conseille l'autre. Voilà, mon cher ami. Mais là, pour dehors. Pour dehors, là, pour ce qu'on s'en va faire là. Ouais, là, on va tourner. Tu vas, tu vas continuer du vrai making of. Donc, ouais. Tu penses que je reste avec la main. Celui que j'avais. Exactement. Mais ce soir, tu prendras Ciné 3. Il va être plus beau.